Moi, j'aurais une question relativement courte, plutôt d'un point de vue international. Pensez-vous qu'il faille refaire les accords de Bretton Woods ? En ce qui concerne Bretton Woods, la question était courte, mais on ne va pas se lancer dans une réponse qui est très difficile. Hein. Bretton Woods n'existe plus. On a un système de change international qui n'est pas organisé, avec le problème que c'est soumis au marché, c'est soumis à des stratégies égoïstes nationales, que ce soit la Chine, que ce soit de manière différente. Mais évidemment, l'idéal, ce serait de réussir à reconstruire un système qui marche, où effectivement, on dirait à tel pays, à la Chine par exemple, vous vous insérez progressivement dans l'économie mondiale, tant mieux, mais faites-le de manière concertée, augmentez vos salaires, augmentez votre protection sociale, qu'on dise la même chose à un certain nombre de pays européens. Donc il y a des choses à faire à l'échelle mondiale, selon faire l'éloge du président Sarkozy. Nicolas Sarkozy avait essayé de le faire l'année dernière lorsqu'il présidait le G20. Ça a été un échec complet, mais l'idée a été lancée. Donc il faudra faire quelque chose. Mais bon,